poison ici. Allez, on tient le coup. On tient le coup, le zap, le zap, le zap. Et salut à toutes les truites et truites. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les amis. On va se retrouver avec mon premier coffre de clan avec cette saison de guerre de clan qui est terminée. On a terminé premier en Ligue d'Argent. Alors que je vous explique pour le précédent ce qui s'est passé. J'ai fait un enregistrement, il a bugué. Et surtout le coffre a bugué tout simplement. Donc le pack opening, ben j'ai pas assisté. On va voir si cette fois-ci ça bug ou pas. J'espère que je vais pas me faire prendre. En tout cas, premier coffre de clan. 1, 2, 3, c'est parti les amis. Non! Regardez, ça me le refait, je me fais prank. Alors comment ça se fait? Essayez de me dire en commentaire pourquoi je ne peux pas ouvrir ce coffre de guerre. Est-ce qu'il faut que je l'ouvre dès que je l'ai? Et si j'attends, bah du coup je suis complètement merguez. J'attends vraiment un max de retour en commentaire et je suis du coup choqué et déçu. Mais pas très grave, on a un petit coffre magique pour se consoler. Mais on a surtout le shop à aller ouvrir. Attention, 3 doigts pour l'ouverture du shop. Oh oh, débloquer la nouvelle carte, les fripons, 750 gemmes pour ce coffre des fripons avec 6 coffres disponibles. Ce que je vous propose, on va en ouvrir peut-être 3 et garder les 3 pour suivants. Donner un petit objectif de pouces bleus, tiens, objectif 5000 pouces bleus. Si on atteint les 5000 pouces bleus, on enchaînera avec l'ouverture des autres coffres. Je compte sur vous pour bombarder cette barre de pouces bleus. Et du coup, ben c'est parti. Alors, au niveau du shop, qu'est-ce qu'on a? On a rien de spécial. Ce que je vous propose, on va se faire le petit magique. Quoique, non, on va tout de suite débloquer cette nouvelle commune histoire d'en débloquer un maximum ensuite avec les petits coffres qu'on va ouvrir. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. On peut avoir une légendaire de ce que j'ai cru voir. C'est parti, 1800 pièces. 3 chasseurs, d'accord. Oh les fripons, allez c'est parti, fais-moi péter du fripon. 128, 160, 192, 288. Pas dégueulasse. 288 fripons, c'est pas dégueulasse du tout. 53 mousquetaires, c'est une carte que je joue. Et on termine avec 5 tornades. C'est parti du coup pour le coffre suivant. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Le bonus, alors faudrait que je regarde un petit peu plus les détails. On a 1800 pièces. Allez, fais-moi péter du fripon. 128, 160, 192, 288 comme tout à l'heure. Et 288 comme tout à l'heure. On s'arrêtera là, 576 au total. On enchaîne avec 50 hélicoptères et 8 fûts à barbare. Du coup alors on va parler un petit peu de ce coffre. Il peut y avoir des fripons entre 128 et 288. Donc pour l'instant on a eu le maximum à chaque fois. Change de légendaire, une. On peut avoir des légendaires les amis. Pour l'instant j'en ai pas, on ouvre le troisième. C'est parti, 1800 pièces. On enchaîne avec 64 esprits de feu. On va pas avoir 288 fripons je pense, étant donné qu'il y a eu les esprits de feu. Ouh, ça pique. 128 fripons, 24 gobelins sarbacanes, 26 valkyries. Et on termine avec 8 squelettes géants. Pas terrible ce coffre, clairement pas terrible. Ce que je vous propose, on enchaîne le pack opening avec ce petit coffre magique. C'est parti, 1320 pièces, 15 portugais, 25 gobelins lance, 5 béliers de combat, 6 golems de glace, 62 barbares d'élite, pas de fripons, 15 cochons, ça c'est pas dégueulasse. Et on termine avec 4 petits bullistes. Moi je dis oui monsieur, pour les petits bullistes, on valide. Alors du coup, petit coffre en or, ici on va récupérer les récompenses et ouvrir ce coffre étant donné qu'on a des quêtes déjà de prêtes. Hop, on enchaîne ici avec l'ouverture de ce petit coffre en bois. Toujours pas de fripons malheureusement dans ces petits coffres. Du coup on enchaîne avec l'ouverture de ce coffre en or. 261 pièces, 4 chevaliers, 6 fripons, les voilà les petits fripons, 4 petits sorciers et 30 petites flèches. Du coup les amis, ce que je vous propose c'est d'attaquer le gameplay avec ce deck golem avec une petite cabane de gobelins. On a le sort de poison avec le zap. Et enfin en troupe on a le bébé dragon, le prince ténébreux, la méga gargouille et le bûcheron à coup moyen à 4,3 d'élixir. Ce que je vous propose, on va tout de suite le tester. C'est parti pour le gameplay. On joue contre Karchagin du clan Ward Legend à 4152 trophées. À savoir que j'ai pas beaucoup rush les trophées, donc on va essayer de rush un petit peu plus. Ouh là là, lui il part tout de suite sur une agression ici au petit hellouf. On va enchaîner avec le petit prince ténébreux tant qu'à faire, étant donné que je vais le drop. Et pourquoi pas un petit poison ici. Ouais, le petit poison ici qui va pas faire de mal, je pense. Allez, le petit poison, la méga qui va tout droit. Dommage, la petite princesse qui va pas y passer. Mais regardez la méga, un coup. Allez, un deuxième. Oui, monsieur, deux coups de méga gargouille. Ça commence plutôt pas mal. Alors, cette petite princesse, on va la laisser avancer. Prendre limite l'aggro sur la tour pour drop. Ok, on part sur un chevalier. Ok, nous on drop ça. On va enchaîner avec le bûcheron ici. Allez, ça va découper. La boule de feu, ok. Sur la petite cabane de gobelins, on a encore deux petits gobelins lance pour accompagner ce bûcheron. C'est pas trop dégueulasse. La tombstone un petit peu en repli. Et regardez ces petits gobelins, les dégâts qu'ils vont effectuer. Attention à pas les sous-estimer, mes amis. Les petits farces attaquent. Les petits farceux. Allez, on attaque. Le golem, on va arrêter de dire de la merde. Le golem, attention, 9 ennemis, c'est parti. Pour le golem, fond de map.
Alors il m'envoie pas de cochon, et ça c'est très très bon pour moi les amis. Le cochon qui n'est pas envoyé, et ça va être la PLS pour Karchagin. Ok, le cochon qui est envoyé de l'autre côté, tout de suite ici. On enchaîne avec le petit zap, la petite méga, et normalement ça devrait passer comme pépé dans mémé. Allez, la petite tour, on défend. Ok, alors attention par contre, parce que de l'autre côté, mine de rien, on a la petite princesse qui peut faire chier. Alors du coup ici tout de suite, le petit bébé drac qui est drop, on va enchaîner avec le bûcheron de l'autre côté qui va permettre de nettoyer cette petite princesse et peut-être d'enchaîner avec la Tesla. S'il y arrive à temps, et non, ça va être beaucoup trop tard pour le bûcheron, c'est très bien géré de la part de l'adversaire. Oh le bûcheron par contre à droite, le bûcheron à droite qui fait du dégât les amis, qui fait beaucoup de dégâts, regardez-lui, il est en train de découper cette tour, tour à 300 points de vie les amis, magnifique. Alors là on va drop ça. On va drop ici la petite méga et normalement ça devrait défendre. Le petit prince ténébreux ici en plus pour se débarrasser de tout ça. Ouais, c'est défendu, on joue rien d'autre. On ne joue rien d'autre, on va économiser notre élixir. C'est parfaitement défendu et en plus de ça on a une contre-attaque avec le petit prince ténébreux, la méga gargouille. On va forcer des troupes et nous tout de suite on renvoie un golem de l'autre côté. On a le bûcheron pour la droite. Alors est-ce qu'on lui donne la tour? Ouais non, on va pas la lui donner les gars. Aïe aïe aïe, mais je vais la lui donner en fait. Je vais la lui donner indirectement. Alors attention ici, tout de suite. On va drop ça. Alors attention les gars, ça va jouer sur deux tours. Ça va jouer sur deux tours, je pense. Il reste que 19 secondes, c'est ça qui m'inquiète. Allez, tout de suite ici, le poison. Le poison, je sais pas, il fait combien. Allez, le prince ténébreux de l'autre côté. On va zap en plus. Je pense que ça passe. Oui, monsieur, ça passe. Ça passe parfaitement. Allez, de l'autre côté ici, le petit bébé Drake. On va enchaîner avec le bûcheron vite. Le bûcheron, surtout qu'il a joué de l'autre côté. Le chevalier, si on peut enchaîner. Oh, ça c'est tricky. Ça c'est tricky, mais attention, le bébé Drake qui fait du taf. De l'autre côté, on va placer un poison ici. Allez, on tient le coup. On tient le coup, le zap, le zap, le zap. Et c'est le GG, le double couronne. Mais oui, monsieur, première victoire avec ce deck golem. Plus 30 couronnes, jouet épique, on avance sur cette petite quête, ça c'est plutôt cool. Et ce que je vous propose, on va ouvrir les deux petits coffres en stand-by, ici 94 pièces, un petit Kirikou, du géant royal, pas terrible, pas terrible. On enchaîne le coffre en or, 257 pièces, 2 jambonbeurs, 10 chevaliers, 4 points mousquetaires et enfin 28 gorgues de gobelins. J'avais oublié de vous poser une petite question, tiens en commentaire, dites-moi si vous avez réussi à débloquer cette nouvelle carte, les fripons, tout simplement, le petit gang de fripons. Alors pour l'instant, moi il est assez bas niveau, je vais essayer prochaine vidéo de vous proposer pourquoi pas un petit deck Fripon, ça pourrait vous intéresser. Tiens, dites-moi ça en commentaire. Ce que je vous propose, nous, on va réenchaîner tout de suite sur un gameplay avec ce deck Golem. C'est parti, on est contre Kim. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les Hellouf ici? C'est pas très halal ça pendant le ramadan. Ok, la petite méga gargouille qui va défendre. On prend quand même 3 coups de cochon. Placement de méga gargouille, pas terrible, les amis. Pas terrible du tout. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? On va repartir sur. Ah ouais, des petits squelettes, hein. Ça siffle très vite. Alors là, je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de prendre une fessée. Là. Je vous le dis, ici on va enchaîner avec ça. Ok, le petit golem de glace qui est drop. L'esprit de glace. Oh là là, c'est un deck très très rapide. On va avoir affaire à un deck très très rapide qui va me mettre en PLS. Et regardez la cabane qui est tout au fond. Qui est absolument tout au fond. Ça c'est complètement triste. Allez, débarrasse-moi de ça. Allez, le prince ténébreux. Débarrasse-moi également de cette mousquetaire. Pas de golem de glace. Ok, pas d'esprit de glace. Il y a moyen d'avoir une petite contre-attaque ici avec ce petit prince ténébreux. La bûche qui est forcée. Et le golem de glace en plus. Ça commence à coûter. Ça commence à coûter ses défenses. Du coup, je pense qu'on va pouvoir se permettre d'envoyer notre premier golem ici à 1 minute 57. Le prochain sera au x2. Attention, le golem qui est envoyé. C'est parti, les amis. Alors, faut que je m'attende à un petit cochon. Mais j'ai la cabane qui est en place, les amis. Cette cabane qui va divertir ce cochon. Et du coup, voilà, le cochon qui va passer comme Pépé dans Mémé, les amis. Enfin le cochon, le golem, on s'est compris, allez c'est parti. Le golem qui est en route, le petit canoun qui est drop, on va sûrement drop ici. La méga gargouille, on a le poison qui est en place. Hop là c'est parti. On va enchaîner je pense avec le bûcheron et le poison. C'est parti pour le poison, c'est maintenant. Oh la belle boule de feu, ah il joue bien, hein. Il joue bien, il n'est pas mauvais. Mais là je pense qu'il y a beaucoup pour lui. Oh surtout avec la rage, oh jolie la défense. Ah c'est bien défendu. C'est vraiment bien défendu de sa part. Alors la cabane qui va dépop. Et la boule de feu qui a été vraiment très propre de sa part. Alors attention à cette cabane de gobelins, on va bientôt la drop. Et on va la drop maintenant. On veut vraiment lui couper l'herbe sous le pied pour son cochon. Aïe aïe aïe, par contre cette mousquetaire, elle peut me mettre en PLS. Allez le golem, on va le mettre devant ici. Ok, c'est parti, c'est envoyé le cochon qui a envoyé la boule de feu. Et du coup voilà, hop là, mes troupes qui vont pouvoir passer comme Pépé dans Mémé. Oh merde, le partage vite.
Non, non, reviens. 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 Et du coup, voilà l'offensive qui est en train de passer. Alors, petite coupure, désolé, petit bug de recording. Alors, attention, c'est parti. On envoie ici l'offensive. On enchaîne avec le Poison. Et encore une fois, c'est vraiment super bien défendu de la part de l'adversaire. Au final, vous n'avez pas raté grand-chose. Tout de suite ici, la petite cabane de gobelins. On va attendre que l'esprit de glace se crache sur cette cabane tout de suite ici. La méga gargouille, la boule de feu, voilà, qui va rater cette méga gargouille. Et ça, c'est toujours ça de prix pour notre prochaine offensive. On enchaîne. Le golem qui va être drop. C'est parti. Le golem qui est envoyé. Et là, ce qui est pas mal, c'est que normalement, il a pas de cochon. Oh putain, il a un cochon, j'y crois pas. Comment tu fais pour avoir un putain de hellouf là? Allez, tout de suite, le bûcheron qui est drop. Oh, la belle bûche. Oh, c'est bien joué. C'est parfaitement joué. C'est parfaitement joué. Non! Le GG de l'adversaire, le cochon qui a été parfait. J'ai pas géré, j'aurais peut-être dû temporiser cette cabane pour vraiment attendre l'arrivée du cochon. Il faut dire que son deck cycle tellement vite. Alors ce que je vous propose, mes petites tweets, on va se faire un dernier coffre de fripons. Il en restera deux, c'est parti. Pour l'ouverture du coffre, 1800 pièces. On enchaîne avec 8 Tesla, 24 jambonbeurs. C'est pas terrible tout ça, allez les fripons, faut payer. 128, 160. Ah, 160, bon c'est pas dégueulasse. On enchaîne avec 50 géants et 8 ballons. Toujours pas de légendaire les amis. Je ne sais pas pourquoi. Du coup mes petites tweets, bah, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'en ai pas parlé d'ailleurs dans cette vidéo. Je serai présent à la DreamHack tout ce week-end, DreamHack à Tours, avec une séance de dédicace le dimanche de 10h à 11h. Donc n'hésitez pas à passer faire un petit coucou si vous êtes présent, si vous me reconnaissez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Insta. Je vous tiendrai informé un petit peu de où je me trouverai durant cette DreamHack. Moi je vous fais des gros gros bisous et je vous donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo.